Salut à tous, c'est Snake2. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur PC. Donc, ça fait une semaine que j'ai pas proposé de vidéo, donc voilà. Donc, je tiens à m'excuser, mais j'avais pas le temps. Donc voilà, donc on se retrouve pour un tuto. Donc, comment régler le problème de Minecraft pour jouer en fait avec Java. Donc, erreur machin. Tout d'abord, pour la pub, donc j'ai sélectionné 4 youtubeurs. Donc il y a Emilien 5715. Donc comme vous pouvez le voir, il a la nouvelle interface. Il fait des lives sur MW3, MW2. Voilà, il fait des vidéos, des intros, des tutos. Voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. En deuxième, donc j'ai choisi donc celui qui a fait ma bannière YouTube. Donc c'est Monsieur Wastim. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Il fait des super bannières. Donc je vais vous montrer la mienne. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc allez voir sur ma chaîne. Voilà, donc elle est comme ça. Donc j'ai mis les liens. Donc voilà. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Il fait des vidéos sur Call of Duty et aussi il est graphiste. Donc je vous conseille vraiment, il fait des montages aussi, donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Voilà, donc la troisième personne c'est Ficoz, donc qui fait des live commentary, des zombies sur Black Ops 2. Voilà, il fait que du Black Ops 2 pour l'instant. Il fait aussi du Modern Warfare 3, enfin, il fait que du Call of. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne aussi, hein. Voilà, il a 38 abonnés, c'est comme mon designer, donc il a que 72 abonnés alors qu'il fait du super travail. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Voilà. Et le dernier, enfin, c'est Test de Julien, donc qui est un graphiste aussi, mais aussi un gamer. Il a 895 abonnés et 35 000 vues. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Voilà, vraiment, il fait des découvertes, plein de jeux variés sur Minecraft. Voilà, plein de jeux. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Et voilà. Donc on va commencer le tuto. Donc déjà, je mettrai dans la description donc ce qu'il faut mettre. Donc voilà, c'est ça. Donc déjà, vous allez dans démarrer. Donc sur ordinateur, vous faites clic droit, propriété. Quand vous arrivez sur ça, vous allez à gauche dans paramètres système avancé. Là, quand vous arrivez sur ça, vous allez dans variable d'environnement et en haut, donc c'est mis variable d'utilisateur pour, donc là votre nom, donc en bas le premier tableau vous faites nouvelle, le nom de la variable, donc vous mettez ce que je vais mettre dans la description, donc java option, voilà, et en bas donc le code que je mettrai dans la description aussi. Je vous assure ça marche tout le temps et vous pourrez jouer à Minecraft maintenant. Vous faites ok, donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait et ça risque de plus marcher après, donc voilà. Vous faites ok et après vous faites ok, vous fermez tout et normalement quand vous allez démarrer Minecraft ça va marcher, donc il y aura plus le problème de Java. Donc je vous remontre une dernière fois. Donc vous allez dans démarrer sur ordinateur, vous faites clic droit propriété. À gauche, vous allez dans paramètres système avancé, variable d'environnement. En haut, donc c'est mis variable utilisateur pour, donc là il y a votre nom. Donc vous faites nouvelle juste en bas, pas tout en bas, la nouvelle, la première nouvelle en haut. Nouvelle, et là vous mettez donc Java option. Donc je vous mettrai un, ne vous inquiétez pas. Et le code. Donc voilà, vous faites ça va pas se copier, bon c'est pas grave. Donc vous mettez faire CTRL V, voilà, donc vous faites ok et après vous faites ok et vous fermez tout et normalement ça va marcher. Donc en tout cas je suis encore vraiment désolé de pas avoir fait vidéo, je pouvais pas, mais voilà. Donc maintenant en tout cas j'espère que ma bannière vous plaira. Donc vous pouvez aller voir hein, mes liens Facebook, Twitter, voilà, etc.
en cliquant sur les liens. Donc moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner hein, pour d'autres tutos, pour d'autres gameplays. Et donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.